Hey, salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Project Zomboïde avec toute l'équipe. On est toujours dans la base et il pleut à verse. Comment vous allez? Vous êtes mouillé? Je suis mouillé, et tout nu. Un petit peu. Dehors. Moi, je commence à être un petit peu trempé, ouais. Doc, je me suis blessé au pied. Tu t'es blessé au pied? C'est bête, je suis plus là. Peut-être parce que j'ai marché sur des clous. T'as marché sur des clous? Sérieux? Ouais, s'il a marché sur un truc ou sur une truc où il y a des clous. J'ai posé des clous. Alors, il avait enlevé ses chaussures. Ça peut faire. Ah, c'est excellent ça. Ils sont allés jusqu'à gérer ça, quoi. C'est marrant. En tout cas, j'ai une blessure au pied. Eh bien. Attends, la Lada, c'est une super bagnole. Hein. J'ai voulu lui remettre du carburant pour vider mon jerrycan. Et ben, elle avait quasiment le plein, quoi. On devrait s'en servir plus de cette vieille Lada. Ça y est, je sens que ça commence à être vide là. Non mais c'est vraiment l'orage là. Ah ouais, non mais là c'est la teuf. Hein. Ah, attends, ça y est, j'en ai trouvé un. Longue veste en cuir, non. C'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche toujours les sacs poubelles. Qu'est-ce qu'on a comme voiture fonctionnelle là? Je vais t'en ramener dans ma prochaine truc. Veste en costume, non. Non. Non seulement tu cherches les sacs poubelles et à chaque pas tu fais aïe, oui, aïe, aïe. À Tokiwoki, ça je peux le démonter. Hop, c'est parti. Là j'ai retrouvé mes vêtements, ils sont propres. On a les clés là. Ouais, on a les clés. Voilà. En plus c'est quasiment vide. Allez. Ah mais moi, je peux. Je suis en train de démonter des ordinateurs. De type Professeur Pentium 3. Et j'ai oublié de me lire tout mon livre. Tout à fait ça. J'aime les ordinateurs. De menuiserie, je reviens. Oui, bravo. 98. Tout de suite les clichés quoi. Hein. Parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique, bim. On se moque. Bah bon, on peut se moquer, il y en a plus. Exactement. Les ordinateurs ils servent juste à les démonter et à monter l'électricité. Non, c'est... Il y a des ampoules dans les montres. Dans quoi? Dans les montres. En fait, quand vous allez sur l'état de cadavre, vous choisissez une montre digitale et vous faites démonter. Ça va vous les démonter avec l'électricité. Vous faire monter votre électricité. Et ça vous file des ampoules. Des ampoules. Bah j'ai l'impression. Ouais bah écoute, une petite j'ai LED, démonté hein, ça, y a un toki... J'ai démonté ça, il y a un talkie-walkie donc Bah le talkie, il y a une ampoule dans le talkie. Tu sais qu'il s'allume quand t'appuies sur le bouton pour parler. C'est vrai. Tu dis vrai. Bon. Récepteur radio, metteur radio, je vous ai trouvé pas mal de trucs si vous avez envie de faire bidouiller d'électronique. Hein. Ah oui, ça déconne pas les fours là. Parfait. Bon bah on va commencer à préparer des trucs. Est-ce qu'on m'a laissé des ustensiles pour préparer des trucs déjà? Oui, prépare un gros truc parce que j'ai très faim. Ah bah écoute, je vais voir ce que j'ai de décongelé. Bouffe les donuts. Les gâteaux là, les pâtisseries, elles vont bientôt pourrir. D'accord, je vais y aller. Je peux faire un truc avec les frites. Je dois sûrement pouvoir faire un truc avec les frites. Allez, c'est parti. Hop, je vais te faire un petit chili aux œufs là. Ce sera très bien. Est-ce qu'on avait rangé tout ce qui était plaque en métal? Ah ben là. Deux œufs, ce sera très bien. Voilà. Des petits pois. La pomme de terre histoire d'avoir un truc un peu dense. Parfait. Et on fait cuire ça. Alors il nous faut un petit timer. Réglage du four, on est sur combien 20 minutes. J'amène un truc pour ranger les CD. Alors où sont les donuts? Oh parfait. C'est tout ça qu'on peut manger? Oh, bah non, je vais pas le ramener. Il est démonté. Tant pis pour le jeu de boxe. Et le temps magnifique. Serge vide. Ah ouais, non, mais c'est la teuf les conserves. Le temps, pardon. Sérieux, il fait beau dehors, on pourrait être dehors, on est en train de jouer sous la pluie, quoi. C'est vrai, en plus il fait beau dehors, on est dimanche. Et au lieu de faire ça, on fait quoi? On vient jouer dans un jeu où il pleut. C'est vrai que vu comme ça. La bande de losers! Vous aimez pas la simulation de la Bretagne-Belgique? Bon, enfin. Bon, allez. Je ne comprends pas. Cornichon.
Gobelets en plastique, c'est ça qu'il te faut pour cuisiner. Des gobelins en plastique. Ah, des ouais, gobelets, ouais. Putain. Je crois que c'était encore un des jouet. Des gobelins en plastique. Des gobelins en plastique, quoi. Bouteille de bourbon. Tu sais, j'imaginais le petit truc qui fait coin quand t'appuies dessus, là. Je vois. Allez, on se fait une bonne salade ouais. De fruits. Trouver du liquide vaisselle et... Ouais, j'en ai ramené. Je savais pas qu'on pouvait faire de la vaisselle avec. Tu peux t'en servir pour nettoyer le sol, pareil en fait. Ah, comme la Javel là. Ouais. Je sais pas si t'as vu le ciel, mais t'as plein de bouffe qui traîne par terre. Ouais, mais c'est de la bouffe qui a pas besoin. Tiens, y a un truc cuit dans le four si tu veux. Et si c'est de la bouffe qui a pas besoin d'être préparée, je peux te faire des caisses en bas. Juste à côté de la porte. Bah ouais, vas-y si tu veux, ouais. Elles ont surtout pas besoin. Enfin, en fait, alors bon, il y a un certain nombre de trucs que tu peux pas te préparer, mais c'est surtout qu'elles ont pas besoin d'aller au frais. Mais je pense qu'il doit y avoir moyen de préparer, ouais, quoique. Popcorn instantané, peut-être faut le cuire. Si tu veux, Katox, il y a un gros truc à bouffer dans le four. Mais mon personnage respire là, je pense qu'il est très essoufflé. Bah, qu'est-ce que ça fait? Bah, je vais monter une quarantaine de planches sur le toit et fais des. Fais des réceptacles au-dessus. Il me faut encore des sacs poubelles d'ailleurs. J'en ai sur moi, j'en ramène petit à petit. Beaucoup, parce que c'est par 4. Hein. Oh putain, non, ah bah, pas oui. Beaucoup. Bah voilà. Voilà. Trouve une fabrique de sacs poubelles. Merde à la fin. Avec de la viande séchée, c'est pas ouf ça. Tu veux. La merde, il veut de la faim? Je comprends pas. Une omelette. La merde, bon, en fait. On peut rien faire avec ce poulet. Un distributeur. Enfin, il me faut des trucs de recettes, quoi. C'est pas possible. Je peux rien cuisiner. On a du poulet, du steak haché et tout, et je peux rien faire avec. Bah, en bas, il faut que t'apprennes des recettes parce que. En bas, t'as plein de livres avec des recettes de cuisine. Ouais, mais justement, il me semble que j'ai tous lu, j'allais voir. Voilà. Un saut est frais. Parfait. Je mange la moitié. Alors, ça c'était les livres. Ça aussi, voilà. Je crois. Ouais, donc du coup, c'est ici. Connaissance automobile. Les modèles sport. C'est parti. Ça va, il y a le vent maintenant, en plus de l'orage et de la tempête. Ah, le vent, il est déjà depuis un petit temps, tu sais. Tac, tac. Et pourquoi pas? Météorologie. Bientôt, il y aura la neige. Mais tout à fait. Oh, faudrait ça qui gère l'apparition de neige. Je sais pas si c'est géré ou pas. Il est trop tôt, là. Il fait encore 22 degrés dehors. Mais il y a de la neige, bah, l'hiver. Pour Roll, j'ai trouvé de la teinture pour cheveux. Et ben, vous pouvez vous teindre les cheveux en noir. Ou la barbe. Ah oui, mais tu prends un miroir et des ciseaux, tu peux te refaire les cheveux. Par contre, tu peux pas faire... Et avec du maquillage, tu peux te maquiller. Ouais, tu peux faire. Ah ouais, bah excusez-moi, je. Mais il faut du maquillage pour les yeux ou du maquillage pour la bouche, et tu peux te maquiller les yeux ou la bouche. Ah, c'est ce qu'avait fait Katox, je crois, non? Ah ouais. Oui, t'as fait une espèce de tronche blanche chelou là. Un crâne à moitié, non? Ouais, c'est ça. Je vais me mettre là. Ok, très bien. Je ne savais pas. Pas ce point-là. D'un côté de la porte exit, on rangera tout ce qui est bouteille d'eau, de l'autre côté, tout ce qui est bouffe. Vite fait prenable. Voilà. Ouais, si tu trouves des magazines de cuisine, ça m'intéresse du coup, Slan, parce que. Ça m'a fait peur quand t'as commencé des par magazines de cuisine. De cuisine. la même réflexion. Vous moquez pas de mon accent breton prénom. Il y a été tranquille là. Non, je pense qu'en fait il voulait dire magazine de cul, puis après il a... Oh putain, on tourne, c'est vrai, de cuisine. Non, j'ai absolument pas envisagé ça. Il a pas besoin de recettes de cul. Recettes de cuisine. Oh là là. Ah bah c'est vrai que c'était très insisté sur le début, mais... Si tu dis que c'est l'accent breton. C'est mon accent traînant breton. Traînant breton, d'accord. T'es breton, t'es pas suisse non plus, hein, calme-toi. La recette de cuisine. Recette de cuisine. Faut pas y aller trop loin. C'est pas vrai, je suis tombé dans des bureaux, y'a même pas un seul ordinateur. Oh non. Bande de grenades.
Il va falloir y aller. Vite, pressons. Vite, pressons. Alors, c'est quoi ça comme bâtiment? On a une centaine de baguettes chips, c'est bien. Bah, on pourra le manger quand on aura plus de frigo et que ce sera la dèche. Ok, donc un zombie qui frappe à travers une porte peut passer à travers une porte comme un fantôme. Là, il y a des ordi. Oui, oui. Tu savais pas? Bah, j'aime pas trop le concept, mais admettons. Ça pleut toujours, quoi. C'est ouf, hein. Normalement, je peux faire ça. J'ai ce qu'il faut. Il y a pas mal d'ordi, mais il y a beaucoup de zombies à tuer quand même pour les avoir, ces ordis. Oh, je peux fabriquer des muffins. Ça vaut pas trop le coup. On va mettre des pépites de chocolat. Et bim. Oh merde, il y a une horde. Ils sont où mes muffins? Ils sont là. Muffins avec des pépites de chocolat. Ça c'est beau. Allez hop au four. Du coup c'est vraiment un deuxième four. Ah ouais, on dirait. Mais il est considéré comme allumé aussi, d'accord. Diantre, je n'ai plus d'eau. Tant pis. J'ai des muffins, ça fait tout. ...548 calories les muffins, quoi. Hop là. Oh, j'entends plus personne, j'ai planté ou... Ah non, c'est bon. Ah non, sac poubelle. Je suis un peu concentré là, j'ai les véhicules dehors, tout. Ah, les véhicules, là, tu peux oublier, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Ouais, ça, c'est ce que... Allez, je suis retapé. Ah, putain. Crève, celle-là. Pardon. Ah bah bravo. Alors du coup... Ah mais non, mais c'est vrai, il me fallait des jerrycans. Bon, en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Donc Slan, il se bouge les fesses. Je sors d'une station-service dans laquelle il n'y a pas la moindre jerrycan. Oui, bah c'est bien ce que je dis, en attendant que tu te bouges. Voilà. Je vais retaper les suspensions. Ou alors je retourne à ma voiture, peut-être, ouais. Je vais rouler dans la rue jusqu'à ce que je trouve un magasin qui m'inspire. Hop. Je viens de bousculer un zombie, tellement il me voit pas les trucs. Pardon madame. C'était exactement ça, c'était une fille habillée en casquette rouge et tout. Je l'ai poussée, elle a été déséquilibrée quoi. Et elle m'a pas vu. Ah oui, d'accord. T'abîmes pas mes voitures, hein? Non, c'est des voitures que je trouve sur la route. A chaque fois, je reviens avec une nouvelle voiture. Moi, je pars à pied, je reviens en bagnole. Là, il y a un truc qui a l'air pas mal. Hein. Pour au moins les garer. C'est cher en assurance, tout ça. Ah non, il faut que je retourne dans la voiture, couper le moteur. Sinon, quand je vais revenir, il y aura des problèmes. Suspension. Il y a quoi là-dedans? 50%. Je commence à en avoir un peu des sacs poubelles, j'en ai une dizaine. Parfait. Et c'est un amphithéâtre ou quoi? Merde, c'est un ring de boxe. Vous voulez que je vous ramène un ring de boxe? Ça se démonte? Un ring de boxe. On mettra ça à côté des machines à laver pour s'occuper. Ah non, il n'y a pas la place. Merde, il y a un zombie qui m'a vu. Ok, ça a l'air pourri. Bon, il monte ce niveau 5 là. Ah mais faut que je le démonte. Faut que je boive et que je mange un peu. Oh bah faut qu'on change les feux aussi. Quelqu'un qui aurait rentré dans les zombies, ça m'étonnerait pas. Oh, putain.
Putain, ils sont 50 autour de ma bagnole. Bon bah je vais... je pars à pied. Yes, yeah, ça y est, le petit point de mécanique qui fait plaisir. On est déjà passé dans le coin, lui aussi. Ah, mais c'est là où le signe il avait déco au tout début. Je déco pas, moi. Tout début, épisode 0. De quoi parle-t-il? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'endroit où on a switché entre les deux saisons. Ah! Attends, t'es redescendu bien loin, effectivement. Je me balade, il y avait un grand immeuble de bureau avec des... Est-ce que je peux prendre un escalator? Ça serait pratique qu'on ait un escalator. Escalator, je fous. Oui. Je peux prendre. Ah non, ça c'est le carrelage en dessous, c'est dommage. Ok, alors, deux pneus sur moi, ça devient compliqué. On les replace vite fait. Ça s'appelle le Mall West, là où je suis. Je le sais parce qu'ils appellent ça le carrelage du Mall West. Bon, il commence à être fonctionnel ce camion là. Maintenant qu'on a des points de mécanique, on va pouvoir commencer à travailler sur le moteur. Ah bon, on va démonter les feux qui sont abîmés. Mais c'est que des salles de conférence ici. Plus en discrétion, bah tu m'étonnes. C'est vrai, t'as raison, il faudrait que je marche en discrétion. Alors, démonte-moi cette fenêtre. C'est facile de gagner des points là où je suis. Voilà. En même temps, je pense que tu gagnes de la discrétion si tu marches en discrétion et qu'il y a des zombies, sinon ça serait un peu dommage. Ouais, tout à fait. Et qu'ils te repèrent pas. Ça sert à rien de courir penché s'ils t'ont vu. Alors, est-ce qu'on peut voir l'état des ampoules? Non, c'est des ampoules de base. Comment je sais qu'elles sont vraiment cassées ou pas? C'est nul. C'est assez facile, tu les mets dans un appareil et tu l'allumes. Enfin, ça fait chier d'aller mettre des ampoules à chaque fois, quoi. Surtout que quand tu les ranges, elles se stackent toutes les unes sur les autres, alors bon. Plus en furtivité. Voilà, là je le vois, 80%, ok, par contre l'autre c'était une ampoule de merde. Ah, bouteille remplie d'eau, c'est un peu ça que je cherchais. Je vais aller la mettre sur le tas de cadavres. Voilà, hop. Tu brûleras avec les autres ampoules, ça fera des jolies lumières. C'est pas terrible ici en tout cas. Ah mais pourquoi tout s'est déroulé? L'enfer. J'ai dû activer un raccourci clavier que je ne connais pas. Et d'un seul coup ta vie est devenue difficile. Bah ouais, d'un seul coup dans les contenants, tous les objets, ils sont dépliés là, comme quand tu fais sur la petite flèche là. Ah oui, c'est en haut, les deux petits points, trois petits points. T'as à côté un petit entonnoir, juste en dessous de tout prendre, t'as un petit entonnoir, deux petits points, trois petits points. Attends, je crois qu'il y a des fruits frais ici. Ah bah ramène des fruits, il nous faut des fruits. Faut t'en trouver facilement, tu sais. J'ai ramené des points de l'eau aussi. Mais pour ça, j'ai été obligé de tuer quelqu'un. Ah ok, c'est ça. Merci Slan. Pour ça, j'ai été obligé de tuer quelqu'un. Et là, on entend Adèle qui fait « Mais pourquoi moi ?» Alors, il nous faut des vitres, mais je les ai déjà démonté toutes les vitres là. Où est-ce que je les ai foutues? Des graines pour que Damned puisse bouffer. Ouais. Des graines. Je ne mange pas de graines. Alors, fait de portière arrière. Ouais, ça me paraît bien ça. Ah, la pluie se calme un petit peu. Par contre, il était 30 temps. Degrés dehors, quoi. Ah, c'est vache. Oh, l'humidité, mon dieu. À l'enfer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La flotte. J'ai une horde de mecs en face de moi, ils ont tous le même pantalon. Bah, ça devait être une équipe de rugby qui s'est fait tuer. C'est chez Humor, ça.
C'est un espèce de restaurant, ils doivent avoir la tenue du restaurant. Ah, on se fait mal quand on passe par-dessus des grillages en ferra, d'accord. Bah si tu te réceptionnes mal, tu peux te faire mal, ouais. Non, ou même si c'est des grillages, tu peux t'accrocher. Ouais, ouais. Comme en vrai, quoi, c'est bien. Ça dépend de ton agilité, quoi, en fait. Oui, alors, on y reviendra sur mon agilité un jour. Mais pas maintenant. Sur mon manque d'agilité. On va mettre ça là, et là du coup, on a bien ce qu'il faut. La cuisine, on est bientôt bien au niveau 8. Alors est-ce qu'on a moyen... Donc le réservoir, toujours pas vide, mais le moteur, on peut prendre des pièces de moteur maintenant. Ça c'est beau. The Real Suite, j'ai un peu peur que ce soit un magasin de vêtements. Je vais quand même aller voir dedans. Alors, est-ce qu'on peut retaper ce moteur ? C'est quoi ça ? Réparer le moteur. De combien ça le remonte ? Ah, du sel et du poisson pourri. C'est lent ? Ah, de 35%. Putain, c'est cher. 6% de réparation. Ça pique un peu. Ah ouais, c'est vrai, faut un max de travail des métaux, je peux pas faire les pièces d'amélioration au début, je peux juste les placer. C'est qui fait du travail des métaux déjà? C'est Katox. J'ai 3. C'est mieux que 0. Écoute, avec 10 tuyaux en métal et un chalumeau, tu peux faire un bull bar pour le bus. J'ai trouvé une salle de gym. Est-ce que je me suis pas blessé? Avec 13 plaques en métal, tu peux faire une porte blindée pour le bus. C'est un peu cher quand même. Je pense que tu vas apprécier ce que je t'ai ramené en haut. Ah, attends, je vais aller voir. Il pleut plus. C'est un plaisir. Donc 13 bazars de métal. Ah, mais il pleut plus. Est-ce que je vais essayer de refoutre le feu à ces cons de zombies là? Après, je viens voir. Alors, utilise un objet, hop, utilise un objet secondaire, hop. Alors, brûler le cadavre. Ouais. Bah, ça a pas l'air de marcher, je confirme. Hein. Ouais, non, c'est... Il verse bien l'alcool, mais... Ouais, tu vois le truc qui baisse et tout, t'as tout ce qu'il faut. Mais... Par contre, ouais. Tu le fais peut-être pas aussi proche de la... Non mais je voulais essayer sur un cadavre tout seul, mais non. Bon, est-ce qu'on a rangé... Cela dit, il a consommé mes allumettes, hein, donc il a dû essayer de faire un truc, mais... Ils sont peut-être trop mouillés, moi je vois encore la pluie. Hein. Vous êtes sûr ou des barres en métal qu'il faut? Alors c'est dans les recettes. T'as lu les magazines, faut que tu lises les magazines de... qui sont donc là recette, travail de métaux. Et non, c'est tu vas tout à droite à tuning. Tout à droite. Ah ouais. Bearbus. Et nous c'est un Bearbus qu'on a. Okay. Ah putain. Bon. Alors, tu m'as mis des trucs en haut, je vais voir ça. Je recherche tout ça, est-ce qu'on a rangé? Ah oui. Oh merde. Ah bah voilà pourquoi c'est dangereux ici. Il y a une rambarde et en fait les zombies tombent du ciel. Là où j'étais. C'est ça, il n'y avait pas de zombies à gauche, pas de zombies à droite. Et d'un seul coup, je vois les zombies, tu sais, qui m'agressent en quantité, quoi. Ah, c'est marrant ça. Bon, on va décongeler un petit peu de viande. Est-ce que quelqu'un a bouffé ma bouffe? Non, moi je suis sur les parts de tarte, pareil, il fallait les manger. C'est ouais. Vrai. De travail de métal, il faut que j'aille démonter les trucs. Ah oui, mais c'est cher, hein, je t'ai dit, hein, c'est hyper cher. Hein.
Tout ça pour que Slan le prenne pour partir en XP et revienne sans. De quoi? Je suis en train de te retaper le bus militaire et puis Katox est en train de voir pour faire des protections et tout. Je peux démonter avec tout ce qui est semi. Mais il fait nuit là ou quoi? Bah oui, il est 22h40. Ah merde. Ok. Comment je vais sortir d'ici moi? C'est chaud là, c'est très chaud. Je crois que le mieux c'est que je me blesse en passant par ce verre brisé là. Ouais, faut que je contacte pour savoir faire. Il reste. Ok. Bon, là ça va mal. Là ça va très mal. On a été un petit peu égratigné. Bon. Portière de coffre. On peut réparer le coffre. Ouais. C'est pas trop le thème. Je vais stocker le carburant dans les réservoirs des voitures. Hein. Puis. C'est une manière comme une autre de faire après tout. Pour l'instant c'est trois fois rien, on va rentrer comme ça à la base. Direct, tu vas avoir besoin d'un médecin, c'est ça que tu dis? De me tuer égratignure. Des égratignures de zombies ou des égratignures égratignures? Un peu des deux. Un sac qui est là, lui. Est-ce que tu m'as trouvé des jerrycans? Non. Pas de jerrycans, très peu de sacs poubelles, je ramène surtout de la bouffe. Des trucs qui servent à rien, quoi. Manger, franchement. Bah, tu m'as dit prends toute la bouffe, toutes les légumes, on a besoin de fruits et légumes. Oui, ah, c'est vrai, les légumes, je vais te les ramener. Et tu verras, il y a plein de. Il y a plein de frigos pour de congélateurs pour tout ranger. Je suis en slip et je suis en train de faire du sport. Ouais, super, ça contribue beaucoup. Tu pourras m'attendre à l'entrée ouest, côté parking, côté bagnole. Ouais, t'as un petit souci, ouais, bah vu comment t'es agréable, il est pas impossible que tu repartes plus blessé que avant. Ok. Mais j'ai du poulet. Ah, s'il y a du poulet, moi je dis, ça se vaut. Hein. Tu dis poulet, le chien. Ah merde. J'ai du bacon cru, j'ai une bouteille de bourbon, des brocolis, des œufs. Bon, ça va, on va négocier. J'ai perdu la connexion. Ah, ça faisait bien longtemps, tiens. Et moi j'ai perdu mon endu et en général c'est pas bon. Moi j'ai perdu ma. Je vais m'asseoir ici. Ah non, je vais pas m'asseoir ici. C'est terrible. Tu m'as sérieusement suivi de tout là-bas, toi? Je t'aurai. What? Ok. Personne, j'étais fatigué, j'espère qu'il a au moins une chaise pour se reposer. Oh putain, en attendant. Ils sont 3 maintenant. Oh, ils sont 4, ils sont 5. Alors, s'ils vont plus vite que moi, c'est la mort. Et je crois qu'ils vont plus vite que moi. Donc j'arrête de me cacher déjà. Et je marche. J'ai besoin d'aide. Mais t'es où? Ouais, je suis moi, à l'ouest. Ah putain, ils vont me mordre. Ils vont me mordre. Non, ils m'ont raté encore. Je suis planté donc du coup, je suis pas trop. Est-ce que je suis pas trop lourd? Je suis trop lourd. Hop, je jette des sacs de marin. Je suis toujours aussi lourd. Parfait, PZ ne se lance même plus. What the fuck? Bah, de toute façon, faut arrêter l'épisode, donc... Je peux ni l'arrêter, ni déco. Alors là, même pas en rêve, je marche, genre je dois faire du 1 cm plus vite que les zombies. Parfait. Et dans 2 minutes, j'arrive à la base et je peux déco. Katox? Tu moi, peux le jeu m'aider. PZ ouais. Se lance même plus, quoi. Putain. Je remonte la rue qui est à l'ouest de la base. La catastrophe. Bon, bah... Je crois qu'il n'y en a plus qui me suivent. Je crois qu'il n'y en a plus... Si, ils me suivent. Allez voir la vue de Slan pour ces quelques dernières minutes. Il vous reste 30 secondes de vue à voir chez moi.
Katak, je suis devant la base. À côté si de vous Paco. Voulez le voir, Slan se faire agoniser. Non, ça va, en fait, je suis bien. Un peu mourant, mais bien. Bon, bah, je suis devant la base, mais il y a des zombies qui me suivent. Personne n'est venu m'aider. Mais où ça, devant la base ? Sur le parking. Je suis devant Louisville Bruiser, là, je suis en train de rentrer dans la base. Okay, je suis à la grille. Hop là, je passe la grille, je la ferme pas. Je m'assois dans l'entrée. Damned n'est pas là, c'est pas grave. Eh oh, j'étais là, il n'y a pas de chaise, il fallait que je me repose, je suis reparti, je reviens. Je ne vois personne. T'as genre 10 secondes. Bah, on va s'arrêter là. Je vois absolument personne. Ciao, ciao. Plus seulement. Oh là là. Il hallucine en plus. Salut. Ouais, mais il y a.